De retour sur le plateau de KNF et oui sur Éclair TV, chaîne 23 sur canal satellite. C'est votre quotidienne et oui, midi et demi, 17h-23h, on prend des nouvelles des acteurs de la Guadeloupe. Et là, on va prendre des nouvelles de nos artistes. Oui, parce que dans cette période, ils sont un peu oubliés. Que deviennent-ils? Que font-ils? Que nous préparent-ils? Pour en parler, je reçois, oui, vous l'avez deviné, un professionnel. K-R-Y-S, qu'a nous fait? Même avec là! Chaud même! Chaud même! On dit avant. Comment ça va? Eh ben avec la grâce, nous là, ça va. Ça ah, je vois que tu as toujours autant d'énergie, que tu as toujours le smile. C'est important, c'est important, c'est important de le garder. Parce avec... que c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à, aux acteurs de la nuit, on ne pense pas à nos musiciens. Ça nous manque, nous aussi, de ne pas vous voir sur scène, de ne pas chanter mal avec vous. C'est-à-dire que vous chantez bien, nous, on chante mal. Le public chante bien aussi. Le public chante bien. Oui, donc, il n'y a que moi qui chante mal. Dans le public. Alors, comment toi, tu as vécu ça? Toute cette période de confinement, cette restriction au niveau des concerts, des shows. Comment, en tant qu'artiste, on vit tout ça? Eh bien, écoute, c'était très particulier, hein, comme tout le monde, ne pas être libre de ses déplacements, etc. C'est pas facile. Après, les bons côtés, c'est que bon, on a trouvé du temps pour faire ce qu'on avait peut-être perdu l'habitude de faire. On passe plus de temps en famille, toute la journée, etc. Bon, moi, comme j'ai une petite, ça m'a permis de passer encore plus de temps avec elle. Et aussi d'écrire pas mal de sons, de réfléchir un petit peu à l'avenir, au présent, au monde aussi. Ouais. Ah, c'est bien ça parce que tu nous dises tout ça, parce que justement, je crois que tu nous prépares un petit truc pour cette année 2021, ce qui est excellent. Donc, tu as été productif. Un nouvel album va sortir. Un nouvel album va sortir. C'est prévu, je peux le dire, pour le mois d'avril. OK. Donc là, on a quasiment terminé. On met les derniers coups de... Voilà, on peaufine. Voilà, dernière couche de peinture. Et puis après, c'est bon, je crois qu'il y aura pas mal de surprises. Yes. Il y aura, parce que tu nous as déjà fait plaisir en tant que téléspectateur, auditeur, avec la combinaison avec Admiral. Yes. La fois où tu étais passé sur le plateau, tu nous avais dit aussi qu'Admiral sera sur le projet. C'est ça. Mais là, tu as pris un autre grand nom de notre musique dans la Caraïbe, l'homme Tiwoni. Yes, il sera aussi sur... Et on a écouté, je vous dis, on a écouté le morceau en exclu tout à l'heure dans les locaux de Éclair. C'est une bombe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette collaboration? Bah écoute, c'est une collaboration dont je suis très fier parce que c'est vrai que Tiwoni, dans le milieu dancehall, pour moi, c'est un grand frère. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un depuis l'époque des sons de système, il était déjà présent en tant qu'exemple, conseil et puis très très actif au niveau de Black Warrel. Il organisait aussi des sons de système. Et tout au long de ma carrière, même quand j'ai débuté en tant que producteur, j'ai toujours trouvé Tiwoni pour les bons conseils, pour la force, et il a toujours été présent. Et pour autant, on n'avait jamais collaboré sur un featuring, ce qui était un petit peu étonnant, parce qu'on était tout le temps en contact, et puis là, les conditions étaient réunies pour qu'on le fasse, donc on l'a fait vraiment dans de bonnes conditions. Ouais. On est très très fiers de ce morceau, et j'ai hâte de le présenter au public. Et on a pu voir les images là en double écran, on a pu voir la présence aussi de Marceau. Donc, vous l'aurez compris, il y aura une petite touche gros K dans le morceau. Mm. Et puis, bien sûr, tu travailles toujours avec les meilleurs. Mr. Frankie, big up. Mais d'ailleurs, tu sais, la particularité aussi de cet album, ça a peut-être étonné quelques personnes, c'est que c'est le premier album que j'enregistre 100% en Guadeloupe. OK. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsque j'étais... je préparais mes sons, j'allais beaucoup en studio à Paris ou ailleurs. Et bien sûr, en Guadeloupe aussi, mais sur les projets... La plupart des recordings, du travail avec les compositeurs se faisaient là-bas. Ouais. Et vu que je suis venu définitivement en Guadeloupe, je suis rentré, ça fait 2 ans. Là, j'étais vraiment ici, ancré. Donc, l'inspiration est différente. Ouais. Les rapprochements aussi humains avec les autres artistes se font aussi plus facilement parce qu'on est sur le même territoire, on s'appelle, on se capte. Et là, j'ai pu vraiment faire des collaborations avec... mes collègues d'ici et dans de bonnes conditions, comme je dis, parce qu'on est ensemble en studio, vraiment on échange et tout. Même les compositeurs, l'ambiance. Donc là, c'est un album qui sera vraiment, vraiment marqué. J'allais dire Guada, mais ça peut être aussi la Caraïbe quelque part, puisque c'est une autre inspiration. Le fait d'avoir changé de cadre et changé de cadre de vie, ben, ça change aussi l'inspiration. Et je pense que ça va se ressentir sur le projet.
Et les gens vont vraiment se reconnaître, je pense, dans les messages et dans les sonorités. Excellent, on a hâte, vraiment, on vous rappelle, avril 2021, il arrive avec son album, ça sera chaud même. Chaud même. Et si vous avez du mal à patienter jusqu'en avril, Chris sera en concert le 29 janvier. Alors, bien sûr, ça sera fait, bien sûr, avec les normes de sécurité, puisque nous sommes en pleine crise de Covid. Mais est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce concert? Ça sera en acoustique. C'est donc, ça. Je pense que ça sera tout un nouveau challenge pour toi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que déjà, on a beaucoup de chance de pouvoir quand même se produire, parce qu'on a été privé de scène pendant de longs mois, un an quasiment, pour beaucoup d'artistes. Et là, donc on est obligé de revenir, mais dans des conditions très particulières. Il ne faut pas qu'on soit trop nombreux aussi aux scènes, puisque ça s'applique même aux artistes, hein, les distanciations, etc. Donc, on ne peut pas être trop nombreux aussi aux scènes. On s'adresse aussi à un public plus réduit, puisque, par exemple, une salle qui a une capacité de 300 ou 400 personnes, là, elle va recevoir peut-être une centaine. Wow. Parce que par rapport aux normes. Donc, c'est vrai que c'est un cadre beaucoup plus intime. Mais c'est aussi intéressant parce qu'au final, on va être beaucoup plus proche des gens et le ressenti sera très particulier. Et je te disais en off que moi, j'étais habitué à beaucoup sauter partout, faire le fou. Ambiancer le football. Et là, ça sera pas l'opposé, mais ça sera non, pas je rassure les aficionados. Il y aura quand même de l'ambiance, mais c'est vrai que là, ça permet… Voilà, je serai peut-être un peu plus… Calme. Oui, mais il notamment… Il ne veut pas dire le nom. Ça lui fait mal de se dire qu'il sera un petit peu posé. Que je vous le dis déjà qu'il y aura certains sons qui ne vont pas passer. Les sons trop festifs. Non, pareil, dit ça. Mais en tout cas, c'est clair que sur des sons… ça sera adapté pour écouter des sons comme Tout ça au café, comme Engova aussi. Je sais que les gens ont bien apprécié. Exact. Donc, ils vont pouvoir l'entendre en live. Et je peux le dire dans ton émission Styly, parce que je lâche toujours une exclue. Exclue, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'on t'aime ici. En fait, on a prévu d'interpréter un titre qui sera sur le prochain album, donc que les gens n'ont jamais entendu. Donc il y aura vraiment une exclusivité. Exclue de chez Exclue. Exclue de chez Exclue. Donc vraiment, venez à la porte ce vendredi 29 janvier. Soyez présents, la famille, on vous prépare un show. Show même. Et justement, est-ce que ça vous fait justement revisiter votre musique? Puisqu'il faut le prendre un petit peu plus posé, plus calme. Est-ce que ça change ta façon d'écrire, de composer, même ça va même changer ta gestuelle sur scène, on en parlait. Ouais. Est-ce que tout ça, là, tu prends en compte tout ça maintenant? Oui, c'est-à-dire que, à vrai dire, non. Je, dans ma création, je ne vais pas prendre en compte le Covid, ça c'est sûr. C'est-à-dire je ne veux plus y penser. Non, ça non. Mais par contre, ça c'est… Pour la scène, c'est vrai, sur des shows un peu plus intimistes, on s'adapte. Ouais. Maintenant, pour l'inspiration, je pense effectivement que tout ce qui se passe dans le monde, ça m'inspire en tout cas, ça agit sur mon état interne. Donc forcément, mes inspirations, ce qui va ressortir, ça va se ressentir, quoi. Mais sinon, non, pas de limite, on essaie de rester quand même dans la bonne énergie, quoi qu'il arrive. Alors, comment fait-on pour réserver? Parce que je pense que, vu que c'est limité, le nombre de places est limité, je pense qu'il faudra réserver. Oui. On ne pourra pas venir sur place directement le jour J. Il faut absolument réserver sa place sur le net. Voilà, il faut réserver sa place sur All Mall, la famille. Vous allez, concert de Chris, donc en acoustique, comme on a dit, c'est le vendredi 29 janvier. Soyez présents. Alors, tu seras accompagné de qui sur scène? Alors, sur scène, je serai avec Karim Verger à la guitare. Ouais. Claudie Durizo à la basse et l'inimitable Stevie Landre à la batterie. Alors, donc, je ne sais pas comment ces gens vont faire pour rester calmes. Franchement, c'est un challenge. Justement, je voulais vous dire, on est en train de s'organiser pour avoir aussi un clavier, puisque quand on est dans des configurations un peu réduites, on est obligé de limiter aussi le nombre d'intervenants. Okay. Mais comme pour moi, c'est très important d'avoir vraiment la qualité de la musique, donc on fait un petit peu le forcing en ce moment pour avoir également le clavier et être vraiment full band. Donc, c'est aussi une façon pour moi de dire au public que malgré le fait qu'on doive s'adapter, je suis là pour donner le maximum, toujours. Donc là, c'est un nouveau show, KRYS version 2021. Donc, prenez vite vos places. Prenez très vite vos places parce que honnêtement, y a déjà plein de personnes qui ont déjà réservé et qui y vont. Et alors qu'on n'est même pas entré dans la semaine, au moment où on enregistre. C'est ça, Revenons sur l'album, combien de morceaux?
Est-ce qu'il y aura d'autres surprises, d'autres featuring? Est-ce que tu peux me lâcher une autre exclusivité? Quel style de musique y aura-t-il? Est-ce qu'il y aura du zouk, de la dancehall, de la soca, du compas, de la musique traditionnelle? Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le podcast? Alors, tu penses que trois mois avant, je peux tout dire? Je ne peux pas tout dire. Il faut que je ménage un petit peu le suspense. Bien sûr, il faut voilà, teaser le truc. J'ai déjà lâché des images, les premières images de studio avec Tiwoni. Vous avez vu qu'il y a Marceau, donc ça veut dire que y a du dancehall, il y a du reggae, il y a des influences du pays, il y a notre culture, hein, le Gouka est présent sur l'album, la Caraïbe, la Guadeloupe, le soleil, et puis notre réalité. Je vais parler de nous, en fait. Ok. Je vais parler de nous. C'est important. Et c'est un album qui est vraiment… Voilà, j'écris avec mes tripes, en fait. Justement, tu en parlais, le fait d'être basé ici, d'enregistrer ici, de recevoir toutes les influences. Est-ce que… Tu imaginais cette vie lorsque tu étais à Paris? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné en vivant en Guadeloupe? Ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment fait plaisir? Est-ce que tu te disais, ah non, finalement, tu sais, elle est douce, hein, pour l'inspiration en plus, pour ça va, je vois tu revenir plus tôt. Non, nous savons que Guadeloupe, nous savons que Guadeloupe, même s'il y a le problème. Voilà, c'est… Voilà. Mais voilà, en fait, on n'est jamais mieux que chez soi, ça c'est sûr, parce que surtout par les temps qui courent, on voit que c'est la crise partout dans le monde. Ouais. Je pense que quitte à avoir des combats à mener, autant le faire chez nous. Voilà. Exactement. Donc je suis très content d'être en Guadeloupe. Est-ce qu'il y aura quand même un petit featuring de la Caraïbe? J'ai vu que tu allais faire un petit tour à Saint-Martin avec l'homme qu'on appelle Sauce. Yes, bon, salut, bien sûr, que j'attends aussi sur le plateau. Ben, d'ailleurs, big up Sauce, big up Doumi. Et voilà, j'envoie un gros big up pour eux, c'est la famille. Alors, est-ce qu'on aura un petit featuring avec quelqu'un dans les îles? On ne sait pas, peut-être Barbade, Jamaïque, Trinidad. Ouais, toujours à la pêche d'infos, vous savez déjà. À ton avis. Bien sûr, je pense qu'il y a quelque chose de gros doit se préparer. Je n'en dirai pas plus. Ah, justement, de ta façon d'écrire aussi, est-ce que tu as souvent un public qui te réclame du Chris comme à l'ancienne? Ouais, ça arrive tout le temps? Oui, ça arrive assez souvent qu'on me dise, mais frérot, le gros dancehall comme à l'époque. Ben, c'est là toujours, hein, il y a ça toujours en moi, mais c'est vrai que l'inspiration, forcément, la vie de l'artiste, comme tout homme, hein, la vie change, donc forcément, les inspirations changent aussi. Et comme moi, je suis authentique dans ma création, ça veut dire que je chante comme je vis. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne naturellement, que ce soit les textes. Ce n'est pas de la cuisine où on prend des ingrédients gauche-droite, voilà. J'écris avec le cœur, j'écris avec les tripes et du coup, même quand c'est festif, c'est toujours dans une démarche vraiment authentique, quoi. Okay. Même si c'est pour dire « Mademoiselle, tu veux danser ?» Non, je suis fatigué. Mais c'est forcément quelque chose qui est vécu, quelque chose qui est ressenti fortement et du coup, ben, le public, il adhère. Même quand je fais tout ça au café, c'est cet aspect sensuel, cet aspect sexy qui apparaît dans le titre. C'est au moment où je l'écris, c'est un sentiment qui est là, quoi. Donc forcément, lorsque le public le reçoit, ben ça les touche. Ok, on vous rappelle encore que Chris est en concert le 29, qu'il faut prendre ses places très tôt parce que tout est limité. Bien sûr, geste barrière, masque, gel hydroalcoolique. Vous connaissez la chanson. Malheureusement, nous sommes habitués. Ouais. Comment fait-on pour durer? Parce que mine de tu es là encore une fois depuis très longtemps. On parlait aussi de la façon de consommer la musique qui est très différente. Mmh. Souvent, maintenant, on fait le buzz et puis juste après, même pas un, deux mois, on disparaît. Mmh. Comment vous faites pour durer? Ben déjà, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, dans le sens où il y a de la place pour les artistes qui sont sur des carrières longues, il y a de la place pour ceux qui font le buzz, il y a de la place pour les jeunes qui arrivent, il y a de la place pour tout le monde, à partir du moment où on arrive à rencontrer son public. Et le défi pour un artiste qui veut durer, c'est d'être au rendez-vous avec son public tout le temps. Okay. En fait. C'est-à-dire que, et pour ça, je pense déjà qu'il faut vraiment prendre du plaisir, en fait, dans la musique. C'est-à-dire que quand le plaisir n'est plus là, ben, si on le fait comme un métier, à un moment donné, que comme un métier, parce que c'est un métier, mais dans la création, dans l'amour de la musique, il faut qu'on ait vraiment cette flamme. Ouais. Parce que je pense que ça se ressent partout. Ça se ressent dans la création, ça se ressent dans les morceaux qui sortent, etc. Donc il faut vraiment rester authentique dans ce qu'on fait. Et tant qu'on a cet amour, tant qu'on a cette flamme et qu'on la cultive, à mon avis, les gens, ils le ressentent.
Voilà. Est-ce que, petite question comme ça, est-ce que le fait justement des réseaux sociaux et d'avoir un petit peu l'obligation de donner des nouvelles un petit peu tous les jours à son public, ouais, ce qui est bien puisqu'on vous connaît d'une façon différente, mm-hmm, mais est-ce que ça n'empiète pas sur votre créativité? Waouh, alors c'est une très bonne question parce que déjà moi je ne suis pas un grand fan des réseaux. Ouais, bienvenue au club. Je communique sur les réseaux sociaux parce que c'est important, ouais, quand même qu'on puisse garder le contact avec ceux qui nous aiment, ceux qui nous suivent, ceux qui veulent savoir ce qu'on fait. Voilà, donc c'est très important pour moi. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui me suivent, hein, parce que je ne suis pas le mec qui va poster de ce que je mange, ce que je fais, mais ma vie privée. Enfin, ouais, c'est pas mon truc, en fait. Je préfère en tout cas parler de ma musique. Parler de ma musique, parler de mes concerts, parler des moments que je vis dans le studio, puisque c'est, ouais, comme ça que les gens m'ont connu et je pense que c'est ça l'essentiel. Et en tout cas, c'est clair qu'on doit s'adapter, mmh, quelque part à l'évolution des choses. Il ne faut pas être réfractaire, mais en même temps, il faut rester naturel. Voilà. Ça. C'est, ben justement, si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui montent actuellement, on a énormément de talent ici en Guadeloupe. Un conseil pour qu'ils puissent durer, perdurer. Mmh. Et justement, encore une fois, parce que notre art forcément est véhiculé par la musique, donc pour qu'ils puissent être les ambassadeurs de la Guadeloupe, quel conseil pourrais-tu leur donner? Waouh. Alors, il y a tellement de choses, pas que… Comment je pourrais dire ça? Alors, je mets en place les idées parce qu'il y a… Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes. Ouais. Déjà, c'est bête, mais croire en soi… croire en son talent, parce que c'est vrai qu'en Guadeloupe et aux Antilles d'ailleurs en général, il y a beaucoup, beaucoup de talent. Je le disais tout à l'heure en off, quand je regarde ce que font les jeunes artistes, je suis vraiment hyper content parce que je vois qu'il y a du texte, il y a du flow, il y a du style, les gars sont créatifs, en plus ils sont au combat. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se battent pour faire exister leur musique, qui, ouais, gèrent eux-mêmes leurs clips, leurs studios, leurs mix, leurs mastering. Donc, exact. Déjà, big up les gars, vous êtes bons, donc ne doutez pas de vous. Et la deuxième chose, c'est vraiment le travail. Le travail, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont le talent, ouais, mais par manque de travail, quelquefois, ils n'ont pas les résultats. Quand on a le talent, il faut mettre aussi le travail. Ça fait partie de l'équation, quoi. Quand on a le talent et le travail, on est inarrêtable. Oh, ah, chaud même. En tout cas, maintenant, si on veut te suivre, je vais même pas te demander si tu es connecté, si tu as Facebook. Peux-tu nous donner justement tes adresses sur les réseaux sociaux? Si on veut savoir la date du prochain album, du prochain featuring, du prochain clip, on doit aller où? Alors sur Instagram, Chris Officiel, K-R-Y-S Officiel. Sur Facebook, c'est Chris Officiel aussi. Une page Facebook. Et sur Twitter, Chris Step Out. Voilà, avec l'underscore entre les deux. Et tous ceux qui sont sur TikTok, je vais leur dire, bon, je ne suis pas encore arrivé, mais bon, j'arrive bientôt sur TikTok. Ouais, on a hâte de voir ça. Ça m'étonne que tu ne sois pas encore sur TikTok. Franchement, vrai, ça, les gars, je pense qu'il va devenir numéro 1 sur TikTok parce qu'il va débarquer. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. On vous rappelle encore une fois que le concert à l'appart, le 29 janvier avec Chris, ça sera chaud même, qu'il ne faut surtout pas louper ça. Toujours dans le calme et la bonne humeur parce qu'on ne peut pas danser, on ne peut pas whiner, mais en tout cas, Chris va vous faire passer un excellent moment. Il y a que whiner ces chaises là. Voilà. Il y a que tout vos gens. De toute façon, de toute façon, vous savez, allez sur place directement. Merci d'être passé sur le plateau. Merci de m'avoir reçu. Et dès que l'album sort, tu repasses. Bien sûr, bien sûr. Et tu vas en fait nous dire qui est cette grande tête d'affiche de la Caraïbe avec qui tu as fait un feat. Je voyais comme il sourit. Merci à toi, longue vie à toi. Rendez-vous vendredi 29. Vendredi 29 à la porte, la famille. Chaud même. Exact. Moi, juste le temps, bien sûr, de remercier mon partenaire qui m'habille de la tête aux pieds. Oui, même les chaussures, les crèmes. Et pour ça, direction Basse-Terre. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. À demain.